vivez dans un rang, est-ce que ça arrive de sortir du rang ou la vie se passe dans le rang puis vous n'allez pas souvent au village? Ou... Ça se passait dans le rang, ouais. On vivait là, avec les autres familles, on se rencontrait. Il y avait à un moment donné, il y a eu de la jeunesse. Là. Puis au village, là, on y allait seulement pour aller chercher... Disons, si on avait besoin d'épicerie, bien, on allait au village chercher notre épicerie. Puis on allait à messe. Le dimanche, on allait à messe. C'était comme nos sorties. Puis ils faisaient des soirées dans les rangs. Là. Les gens, ils faisaient des soirées aussi, des soirées avec de la musique puis de la danse. Puis... Autrement dit, la vie, les fréquentations, c'est plus dans le rang, les familles qui se connaissent, qui restent dans le même coin de rang plutôt qu'au village. Ah oui. Ben oui, ça se faisait, mais ceux du village, ils venaient dans le rang. Là. Disons qu'ils attendaient à dire qu'il y avait une soirée à une telle place. Là. Les gens, dans ce temps-là, il n'y avait pas... Il n'y avait pas des maisons toutes meublées puis pleines, là, comme les gens d'aujourd'hui. Là. Ils tossaient, ils pouvaient souvent sortir le lit d'une chambre pour faire une salle de danse. Là. Un coin pour danser, c'était rien, là. Vous parlez de ça, là, vos années de jeunesse, là. C'est des danses, c'est des choses comme ça? Oui, c'était des danses. Jeunesse, là, c'est ça? Des danses chorées qui dansaient. Là. Il y avait des joueurs de violon, puis des joueurs d'accordéon. Puis nous autres, on avait des bons dans notre rang, là, il y en avait. Puis on dansait au son de la musique. Là. C'est quoi les grosses fêtes, mettons, d'une année? Là? C'est sûr, il y a Pâques, puis il y a Noël. Mais c'est quoi les occasions que le monde sort le violon puis tout le monde se rassemble? C'était les mariages, quand les gens se mariaient, là, ils faisaient des grosses noces. Ben, ils appelaient ça des grosses noces. Là. Ils ne devaient pas avoir tant de monde que ça. C'était fait avec les gens, les voisins, puis la parenté. Puis ils faisaient ça dans les maisons, la maison privée. Là. Quand vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous disiez, aller au village, tu allais faire les commissions, puis aller le dimanche à la messe. Oui. Pas plus que ça, là. C'est pas tous les jours monter au village. S'il y avait fait une soirée de danse au village, on serait allé, on y allait aussi, de temps en temps, parce que c'est pas toujours la même personne qui faisait ça. Une soirée de danse, et, à un moment donné, il y en a quand. Un soir, ça pouvait se passer d'un rang. L'autre soir, ça se passait dans l'autre rang. On y allait. Descendre à la serre, quand vous étiez 12 ans, 13 ans, 16 ans, non? Non, non. Moi, je pense que la première fois que j'étais à la serre, pour moi, j'avais comme peut-être 18, 20 ans. Là. Aussi oui. Longtemps après être arrivé, oui? Oh oui. Parce que là, à la serre, là, nous autres, on n'avait pas de voiture d'abord. On n'avait pas d'auto, là. Puis on n'allait pas à la serre. Tant qu'on n'a pas eu... On n'a pas pu aller en auto, on n'y allait pas à la serre, nous autres.